Votre point de pouvoir est maintenant. Lorsque vous vous fixez pour objectif d'obtenir une nouvelle maison ou un nouvel emploi et que vous atteignez ce but, vous croyez à tort que le motif de votre création était cette nouvelle maison ou ce nouvel emploi, alors que le sujet de cette création était en réalité votre état d'être. Dans cette vie, vous faites appel aux possibilités qu'offre une maison et un emploi pour faciliter votre état d'être. Mais aucune de ces choses physiques n'est le sujet de votre création. Vous en êtes le sujet. Votre état d'être ou la façon dont vous vous sentez en est le sujet. Si vous vous donnez le temps de vous observer, vous comprendrez mieux comment vous vous créez vous-même. En identifiant comment vous voulez vous sentir ou être, vous réaliserez plus efficacement ce que vous êtes venu accomplir dans ce corps. À chaque instant, de moment en moment, vous créez votre vie. L'artiste qui sculpte une œuvre magnifique ne retire pas sa plus grande satisfaction de la contemplation de l'œuvre achevée. Une fois son travail complété, l'euphorie que lui procure le sentiment d'avoir terminé son ouvrage ne dure qu'un bref instant car il a aussitôt hâte d'entreprendre un autre projet. Il puise sa joie dans le processus créatif. Chez l'artiste conscient, ce n'est pas sa création qui est une œuvre d'art, mais bien lui-même. Il ne s'efforce pas d'atteindre la perfection dans son œuvre, mais en lui-même. Il est le créateur d'un créateur d'œuvres d'art. Cet artiste réalise ses créations en se servant de ses pensées pour façonner l'énergie de l'univers, et il tire avantage de son système de guidance pour mieux discerner comment il utilise l'énergie universelle. Ce créateur a choisi la voie de cette expérience physique pour vivre, aimer et grandir. Il sait qu'en choisissant des pensées, des paroles, des actions suscitant en lui des sentiments positifs, il ajoute alors sa contribution positive à l'expérience de l'univers. Ce créateur peut choisir d'œuvrer comme bâtisseur, musicien, acteur ou réparateur, mais il désire d'abord vivre, rire, aimer et par-dessus tout être le plus heureux possible à chaque instant de chaque jour de sa vie. De fait, vous êtes ce Créateur et vous existez tous pour trouver votre joie grâce à une multitude d'expériences, mais il vous faut pour cela être à la recherche de cette joie. Si vous n'êtes pas d'abord disposé à trouver votre propre joie, vous ne pourrez certainement pas la découvrir, et si vous ne l'avez pas trouvée, vous ne pourrez la communiquer à personne d'autre. Vous êtes en cet instant même en position de créer. Ce n'est pas là une chose pour laquelle on se prépare et qu'on espère faire un jour. Ce n'est pas une chose que vous ferez plus tard quand tout sera à votre convenance. Vous êtes, en cet instant même, engagé dans le processus de création. Parfois, lorsque vous vous sentez mal, vous demeurez dans cet état, ressassant sans arrêt ce qui a provoqué la douleur. Vous vous contentez de réfléchir à tout cela en pensant que vous allez finir par vous en remettre et passer à autre chose. Vous croyez pour la plupart reporter ainsi à plus tard lorsque vous vous sentirez mieux le moment où vous recommencerez à créer. Mais ce sur quoi nous voulons justement attirer votre attention, c'est que vous ne pouvez jamais reporter à plus tard votre faculté de créer. Vous êtes dans le mode de création chaque fois que vous recevez et formulez des pensées, et l'émotion que vous éprouvez vous indique dans quelle direction votre faculté créatrice se manifeste. L'homme croit généralement qu'il peut mettre cette faculté en veilleuse, car il pense que la création est le résultat d'une action de sa part. Par conséquent, lorsqu'il choisit de demeurer inactif durant une journée entière, tout absorbé dans ses pensées et ses sentiments, il présume alors que ces créations ne progressent pas. Ce qui n'est pas le cas. Une proportion beaucoup plus grande de votre création se réalise par vos pensées et leurs émotions correspondantes plutôt que par vos actions. Bien qu'il soit vrai qu'une action puisse influer sur votre état d'être, et bien qu'il soit indiscutable que votre état d'être ou la façon dont vous vous sentez soit votre point d'attraction magnétique, il est préférable de ne pas agir sans la moindre réflexion préalable. Il est beaucoup plus souhaitable, pour les fins de votre création, d'identifier en premier lieu l'état d'être que vous désirez ressentir, puis ce que vous voulez avoir, et en dernier lieu, quel geste vous poserez. L'équilibre entre vos désirs et vos attentes crée en vous des pensées, des émotions équilibrées, et c'est à partir de ce point d'équilibre que s'exerce votre attraction. Vous attirez toujours ce qui correspond à ce que vous êtes. Par conséquent, efforcez-vous d'être et de vous sentir en accord avec votre désir et laissez ce sentiment être le phare vous guidant dans l'action. Agir pour transformer une émotion n'est pas la bonne façon de s'y prendre, ça ne marche pas. Un jeune homme en proie à un profond chagrin a téléphoné récemment. Il venait d'apprendre la mort de sa mère. Il nous a dit, Abraham, elle n'aurait pas dû mourir. Elle était en parfaite santé. Elle faisait de la gymnastique aérobique trois fois par semaine, prenait toutes sortes de suppléments alimentaires et des vitamines, et ne mangeait que des aliments sains. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire Nous lui avons expliqué qu'elle tentait de compenser par ses exercices et l'attention qu'elle portait à son alimentation le sentiment profond qu'elle avait de ne pas être en bonne santé. En agissant ainsi sur le coup d'un sentiment de manque, elle ne faisait que renforcer ce manque apparent. Lorsque vous désirez fortement quelque chose que vous croyez ne pas avoir, vous faites généralement le nécessaire pour tenter de l'obtenir. Un désir inné d'avoir de la valeur et d'aller de l'avant en est à l'origine. Nous avons souvent observé que l'action entreprise dans le but d'obtenir ce qui vous manque provoque cela même que vous désirez repousser loin de vous. Ou, pour être plus précis, vous attirez l'absence de ce que vous voulez en entretenant le sentiment de manque qui a déclenché le processus. Vous avez probablement déjà connu une personne qui avait très peu d'estime de soi ou une piètre opinion d'elle-même. Comme elle éprouve un profond et puissant désir d'avoir de la valeur à ses yeux et de s'apprécier, elle se comportera souvent de manière à se donner de l'importance. Elle critiquera les autres dans une tentative de se donner à elle-même une meilleure image. Parce qu'elle veut s'aimer, elle adressera des reproches aux autres mais ses actions n'auront pas l'effet désiré. Car en vertu de la loi d'attraction, lorsqu'elle critique les autres, elle est critiquée en retour, et de ce fait, son image s'en trouve amoindrie et non rehaussée. Par conséquent, son action ne lui apporte rien. En réalité, elle lui est préjudiciable et ne contribue pas à son désir de mieux s'apprécier. Voici un autre exemple. Un individu désire avoir davantage d'argent. Constatant le faible solde de son compte bancaire, il se sent découragé. Dans cet état d'esprit, il décide qu'il ne veut plus vivre ainsi, n'ayant jamais suffisamment d'argent pour acheter les choses qu'il désire et se déniche un second emploi. Tentant de régler ce problème alors qu'il est habité par ce sentiment de découragement, il ne fait qu'attirer à lui des situations négatives. Même s'il déploie des efforts considérables au plan physique, sa vie ne s'améliore pas parce que son sentiment prédominant n'attire que le contraire de ce qu'il veut et ses actions ne peuvent contrebalancer cet état d'être. En réalité, plus il travaille dur, plus il se sent découragé et le problème de manque d'argent se perpétue en dépit de ses efforts intenses pour corriger la situation. Vous avez tous en vous un puissant désir d'être bien, de vous sentir en sécurité, de réussir dans la vie et d'être fort, et c'est toujours en portant une attention excessive à l'absence de ces choses que vous créez négativement. Mais contrairement à ce que la plupart d'entre vous s'imaginent, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes bien, en sécurité, que vous réussissez ou que vous êtes fort. En réalité, chaque tentative de prouver cela est voué à l'échec et vous en éloigne. Tant que vous chercherez à devenir quelqu'un que vous croyez ne pas pouvoir être, vous serez incapable d'atteindre cet objectif. Vous devez en premier lieu avoir la conviction d'y être parvenu. Vous devez d'abord sentir que vous êtes quelqu'un à qui tout réussit pour attirer la réussite à vous. Vous devez vous sentir prospère pour attirer la prospérité à vous vous devez vous sentir en santé pour que celle-ci soit meilleure encore. En consacrant 99% de votre attention à faire grandir en vous le sentiment que vous cherchez à ressentir, et en accordant que 1% de votre attention à vous engager dans une action inspirée, vous enclencherez un puissant mouvement dans le sens désiré tout en demeurant dans un état de bien-être et de joie durable. Rappelez-vous qu'une action inspirée à partir de votre conscience positive de ce que vous désirez est toujours accomplie dans la joie. Une action inspirée à partir de votre conscience négative de ce qui vous manque n'est jamais agréable à vivre. Dans les deux cas, une action physique est exécutée, mais il y a une énorme différence dans le résultat obtenu. De même, le plaisir éprouvé au cours de l'action diffère considérablement. Il ne peut tout simplement y avoir de fin heureuse à un voyage malheureux. Cela irait à l'encontre des lois universelles. Nous savons qu'il est difficile pour vous d'admettre que les maladies dont vous souffrez sont illusoires, alors qu'elles s'imposent tant à vous dans votre vécu quotidien. Il n'est pas facile pour vous non plus de comprendre que la pauvreté, l'insécurité, les relations malheureuses ou même les événements mondiaux sont aussi de nature illusoire. Ce qui vous échappe, c'est que les preuves même dont vous vous servez maintenant pour valider votre sentiment d'impuissance ont été créées de toutes pièces par vous. Par conséquent, vous n'êtes pas impuissant, mais bien au contraire, puissant. Ainsi, vous observez les symptômes d'une maladie, preuve de son existence, et ne pensez plus qu'à cela, éprouvant encore plus d'émotions négatives, ce qui ne fait que les perpétuer. Lorsque vous focalisez votre attention sur un aspect négatif, votre être intérieur réagit automatiquement en vous faisant ressentir une émotion négative, puisqu'en accordant votre attention à cet élément négatif, vous résistez à quelque chose de positif. Par vos pensées, vous attirez à vous des choses négatives, et comme vous avez l'habitude de leur porter constamment attention, elles finissent par se manifester de manière tangible, et vous vous dites alors Voilà une preuve physique, c'est grave, et je ne peux nier qu'elle existe. Et nous répliquons Ne niez pas son existence, car ce serait reconnaître implicitement qu'il y a quelque chose, et vous l'attireriez ainsi à vous. Ignorez-la plutôt. Dirigez votre attention vers autre chose. Ne vous arrêtez pas à cette manifestation négative et elle disparaîtra car ainsi le veut la loi universelle. Vous accordez un intérêt démesuré dans votre vie au signe physique et, à cause de cela, vous ne mettez pas l'accent là où il le faudrait vraiment. La manifestation de signes physiques est le résultat de vos pensées et de vos émotions. Tenez donc compte de celles-ci. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous pensez alors à quelque chose que vous ne voulez pas ou au fait qu'il vous manque une chose que vous aimeriez avoir, et c'est ainsi que vous créez une manifestation physique. Ne vous arrive-t-il pas souvent de vous dire ⁇ Je savais que cela se produirait ?⁇ Et nous vous le confirmons. Bien sûr que vous le saviez. Ce que vous pensez, vous le ressentez, et ce que vous ressentez, vous le créez. En tant que créateur conscient, vous n'avez pas à faire quelque chose ou à agir, ni à vous occuper de possibles manifestations physiques. Votre tâche consiste à reconnaître et à préserver un point central d'équilibre et de bien-être. Il vous faut découvrir les sentiments de bonheur, d'euphorie bienheureuse, d'amour, de paix, d'enthousiasme, de triomphe, de bien-être, et les conserver délibérément en vous. En maintenant bien vivant ce sentiment de bien-être intérieur, vous exercez une attraction magnétique qui suscitera de merveilleuses manifestations liées à cet état d'être. Qui plus est, baigné par ce sentiment, vous le faites rayonner pour le bénéfice des autres.